Salut les amis, bon voilà, je termine de passer le 60, c'est pour avoir ça, c'est pas évident. Alors, est-ce que j'arrive à le voir là, ici, voilà, 60. D'ailleurs, comme on a dit la dernière fois, on respecte les flèches, lui le tambour il tourne, le système tourne comme ça. Donc on va installer tout ça, on va essayer de faire ça, installer ça d'une main, hop. Désolé. Voilà, ça y est, c'est rentré. Alors, je vais expliquer un petit peu le galetendeur, ce que c'est. Donc, cette partie-là, en fin de compte, il y a un rouleau. Là, à l'intérieur, là, attendez. Là, il y a un rouleau. Cette vis-là, elle me permet, en fin de compte, de régler la bande par là, ou quand on redessert, de la refaire envoyer de l'autre côté. Et là, pour la tendre, en fin de compte, c'est ici. Donc, quand j'abaisse, voilà, là, elle est tendue. On va le refaire d'ici. Je vais prendre mon plan large, je vais essayer de la bloquer. Là, elle est détendue. Et quand j'abaisse, voilà, là, elle est tendue. Elle est tendue, voilà. Donc, là-dessus, ben, on va repasser le 60 partout. J'ai fait les bords hier au soir. J'ai encore les coins à gratter, on le voit ici. Après, ben, on s'occupera de ça avec le grattoir Stanley. Je l'ai fait voir, je vais le refaire voir ici. Alors, c'est ça. Donc la lame, en fin de compte, quand on gratte, voilà, elle est comme ça. J'essaie d'y aller doucement. En fin de compte, il y a un tranchant. J'ai essayé. En fin de compte, moi, ce que je fais avec la bordureuse, quand j'ai besoin de l'affûter, en fin de compte, ma machine, quand elle tourne, moi, je tiens mon grattoir, je vais le mettre de profil, voilà, comme ça, dans ce sens-là. Comme ça, j'aiguise juste le bord, là, ici, voilà, on le voit, là, ici, le morphile, voilà. Et je refais un léger tranchant. Et comme ça, je vais faire voir comment ça fonctionne. Quand il est bien affûté, on va retomber sous le même coin. Ici, une polyuréthane. Voilà, on gratte. Bonjour les oreilles, désolé. Je commence à plus trop couper. Et voilà ce que ça donne. Là, on enlève tout le vernis. Ouais, on va le raffuter. J'en ferai une petite vidéo pour l'affûtage. Mais bon, voilà. On gratte le coin et là, on se retrouve plus avec plus de vernis. J'ai encore un petit débord là, mais ça, je vais le faire au grattoir. Donc voilà. Voilà pour les infos. Et puis, bah, moi, bah, je vais m'attaquer au ponçage, donc encore dans cette chambre-là. J'ai encore le couloir, j'ai ici, j'ai encore derrière, j'ai le palier qui est ici. Le problème, c'est qu'il y a une location au-dessus, donc le problème, il faut s'adapter. Donc j'ai encore tout ça à faire avec la grande ponceuse. Là, ici, tout ça, ça s'arrête là. Salle de bain, ça c'est bon. C'est du carrelage. Ici, bon, l'armoire, comme je vous ai dit hier, je ne la bouge plus parce que maintenant. C'est quasiment indéplaçable. Et encore la pièce là. Ok. Salut, ciao, ciao.